Les mitzvot, t'es lentilles des princesses. Je suis arrivé aujourd'hui directement de David Moshe à la Bachelor. Il est arrivé ce matin de Paris. Ils sont partis pèleriner sur le Tzadik. Baruch Hashem, ici au Maroc, nous avons beaucoup de chance. Beaucoup de chance. D'avoir des Tzadikim. Je pense que HaKadosh Baruch Hu, il a donné HaKadosh Baruch Hu, il a donné à vous qu'il a donné à la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il a fait tous les miracles par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors qu'il aurait pu faire tous les miracles tout seul, sans l'aide de personne. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris, il sait qu'en Israël, le peuple juif, ils ont besoin des tzadikim qui vont les connecter avec lui. C'est pas chacun, ce n'est pas tout le monde qui ont ce zikhout de se connecter directement avec HaKadosh Baruch Hu. C'est pas facile, c'est dur. HaKadosh Baruch Hu, il a fait tous les miracles par Moshe Rabbeinu. Donc c'est écrit à la fin, Aminu Bashem Moshe Abdo. C'était très important pour HaKadosh Baruch Hu. Pas exemple, entre vous et moi, aujourd'hui. S'il n'y a pas les tzadikim, de qui on va apprendre à servir à Kadosh Baruch Hu? Dites-moi de qui? Les Avdil de Kodesh Lechol. Regardez les animaux. Les animaux, ils vont entraîner, ils vont apprendre à leur bébé comment faire la chasse. Et pendant un an, la maman, elle va apprendre à ses enfants comment faire la chasse. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est pas possible que ce bébé animal, un jour, il va pouvoir savoir comment faire la chasse. De même pour nous, avec HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu que tous les miracles qu'il a fait, ils se sont faits par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Alav HaShalom, chaque fois lorsqu'il faisait quelque chose, il disait, je fais ça au nom d'Hachem. Il l'associait à Kachou parce qu'il savait que lui c'est un Kachouia. Lui, c'est un messager. Lui, c'est bien de la Kachou Baruch Hu. Donc c'est la raison à voter pourquoi. Ici, votre Hachim, ici, vous avez un grand zéhout. De temps en temps, vous pouvez aller se recueillir, aller vers le Tzadik et prier là-bas, surtout. La Bacha Bédo de Moshe, d'après ce que j'ai vu, ça fait 900 ans. Ça fait 900 ans qu'il est enterré ici. Et 900 ans que les Juifs y vont le pèleriner. Et sa place est toujours là-bas.
Je mets la parole d'honneur, j'ai fait ce voyage spécialement pour aider les Pyrénées. Et bien sûr, pour aller de Pyrénées, vous avez aussi mon grand-père de Rachalon, mais pour vous dire, c'est ça le écart. Vous savez, à Botaï, que nous sommes encore tout frais 2 semaines après Matan Torah. Matan Torah, là aussi, on voit que HaKadosh Baruch Hu, il aurait pu donner la Torah directement lui-même à Am Israël. Et on a vu que là aussi, HaKadosh Baruch Hu, il a mêlé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi était là. Moshe Rabbeinu aussi était là. On a vu que HaKadosh Baruch Hu, chaque fois, il dit à Moshe Rabbeinu, va et dis aux bénis Israël, dis-leur, voilà la mitzvah qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà aussi, à Matan Torah, à Kadosh Baruch Hu, parce que s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, s'il n'y a pas les tzadikim qui vont enseigner la Torah à Israël, qui va nous enseigner la Torah? Là aussi, on a vu que chaque fois à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, monte chez moi, descends, il descend, parle au peuple, encore il appelle, monte chez moi, viens, je vais te dire. Et après, il lui dit, va chez le peuple. Là aussi, Rabotai, on a vu un message pour les rabbanim, que eux, ils sont là, quand je me recrute, il a mis les rabbanim, pour qu'ils sont entre eux et à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Rabotai, la Emouna, qu'un juif, il va arriver un jour à avoir un Kadosh Baruch Hu, et ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas les rabbanim qui sont au milieu, s'il n'y a pas les tzadikim qui sont au milieu, c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, je voudrais vous raconter quelque chose. Hier à Paris, je recevais des gens, et une femme qui rentre, et cette femme, elle me dit, était toute souriante, était contente, parce qu'il y a 2 mois, à Chibichor, elle avait une grave maladie. Et pour son âge, c'était très grave ce qu'elle avait. Très, très grave. Elle a pas été. Ce qu'elle a été, je me rappelle, elle était dans un état lamentable il y a quelques temps. On va bien être qu'est-ce que. Et je lui ai dit, madame, tellement qu'elle a pleuré, je lui ai dit, lève-toi. J'avais un scriptorat dans le bureau. Je lui ai dit, tiens, embrasse-le. Tiens. Ça, c'est pour moi, parce que pour moi, madame, lorsqu'elle a vu ses vêtements, elle a commencé à pleurer, Elle a commencé à dire, regarde cette femme-là, elle embrasse la Sefer Torah. Est-ce que c'est la Sefer Torah? C'est quoi la Sefer Torah? Elle embrasse, on dirait qu'elle est en train de voir un tzaddik devant elle, on dirait qu'elle est en train. J'ai vu cette émouna de cette femme debout devant un Sefer Torah en train de pleurer. Quelqu'un qui n'a pas vu son fils des années, il le voit, il pleure, par émotion. Quelqu'un qui n'a pas vu son père, il pleure, par émotion. Et plus pour de voir ce qu'on fera. Et pleurer de voir ce qu'on fera. C'est quoi ce qu'on fera? Tu as justement la bouteille. Mais ce qu'on fera, pour que cette femme-là, elle se mette debout, et pleure de voir ce qu'on fera. Ça prouve déjà qu'il y a déjà une base. Elle a une émouna dans son cœur. Sinon, je vais vous raconter une autre chose. Il y avait quelqu'un qui est là, il s'est arraché le chemin, il a commencé à faire des bêtises. Il y a aussi raboté ici ce fameux monsieur-là, qu'à un moment donné, il est venu parce qu'il avait un problème. Et là aussi, j'ai vu sur son visage, qui était froid. Froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émouna, il n'y a rien du tout. Je lui dis, on va sur cette Torah. Il ouvre le Echal et regarde cette Torah. Difficilement, s'il l'embrasse. Difficilement. Comme il n'y a rien. Il n'y a rien qui le relie avec cette Torah. Ils sont complètement aucun lien avec la Torah. Ils sont complètement froids. On peut même leur dire n'importe quoi, ils vont me regarder avec pas d'émotion, rien du tout. Ouais, on dirait qu'il y a une fois un des élèves de Bahashimto. Vous savez qu'en Ukraine, beaucoup de fois ça arrive qu'en hiver, la rivière est de bien gelée.
et devient joli. Et puis voilà, les élèves de HFE, ils traversaient la rivière à pied, parce que c'était gelé. Ils ont vu des enfants qu'ils étaient en train de graver sur la glace une Abu Dazar. Et bien, HM Tour, les élèves de HM Tour, ils voient ce qu'ils étaient en train de voir, et ils continuent. Et voilà, si je ne me trompe pas, c'était chez HM Tour lui-même. Il leur dit, vous voyez, lorsque le cœur il est vide, lorsque le cœur il est froid, on peut graver dedans une Abu Dazar. Ça veut dire que lorsqu'un juif, il est chaud, il fait respect la Torah et les mitzvot avec le sirotnefesh, avec sacrifice. Alors, n'importe quelle tentation qui peut venir à son encontre, il peut l'éviter. Mais chimiquement, quelqu'un qui n'a pas de contact avec la Torah, il restera toujours froid. Alors, comment on peut avoir le contact avec la Torah? C'est lorsqu'on fait des efforts. Pour être riche, on fait des efforts. On ne peut pas être riche si on ne fait pas des efforts. Pour se marier, il faut faire des efforts pour bien chercher. N'importe quoi, il faut de l'effort. C'est pour prendre un avion le matin, tôt à 4h du matin, par exemple ce matin, hier soir, je suis parti dormir à 1h30 du matin, et je devais quitter la maison à 4h du matin. C'est-à-dire que j'ai dormi 1h30, pas plus. Et c'est pas possible. Les 2-3 nuits, je n'ai pas dormi. Et j'ai fait un grand effort. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je voyage. Il ne faut pas que je rate l'avion. Vous voyez, lorsqu'on fait l'effort, parce qu'il me semble que cette chose-là, que si je ne fais pas l'effort, je vais la rater. Donc, il n'y a que l'effort qui fait réussir la personne. Donc, le respect du mitzvot, il faut un effort. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la clim ici, alors je ne vais pas venir prier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la clim, je vais venir étudier. Non, c'est deux choses. L'effort. Comment ils ont fait leurs parents? Vous avez la clim, vous n'avez pas la clim. Et c'est comme ça, l'effort. Les amis, lorsqu'on ne fait pas l'effort dans les mitzvot, alors là, on devient froid. Et clairement qu'on devient froid, jusqu'à qu'on peut dire n'importe quoi, on peut penser n'importe quoi, il n'y a rien qui va pour être un bon juif chaud de respect des mitzvot, il doit avoir le corps chaud, il doit vraiment le corps chaud, il doit avoir le corps chaud, il faut faire des efforts. Je voudrais vous dire une chose. Quelle est la différence entre cette femme que lorsque je lui ai montré il y a un mois et demi, le Sefer Torah, elle a commencé à pleurer, et ce jeune homme-là, que lorsque je lui ai montré le Sefer Torah, il est resté froid. Écoutez bien. C'est bien ce que je vous raconte. Ce jeune homme-là, il a fait la yeshiva. Écoutez bien. C'est moi qui l'ai envoyé à la yeshiva. C'est marié, c'est moi qui l'ai marié. J'étais à son mariage. J'ai dansé avec lui. Il est devenu le Hazan dans une synagogue. Il enseignait la Torah. Écoutez bien. Il avait une très belle voix. Et voilà. Il y a quelque temps, on lui a proposé. C'est un monsieur qui est un peu. Il a un beau corps. Donc, ils lui ont proposé d'être mannequin. Mannequin. Alors, imaginez-vous, c'est un garçon qui a fait la yeshiva, sa femme est qui se couvre la tête, c'est un monsieur qui est dans la Torah, et finalement, il commence à déraper, et on lui propose d'être mannequin, on lui donne une grosse somme d'argent, 50 000 euros, il est devenu comme un aveugle par l'argent. Il leur a dit, quand vous voulez que je commence à travailler pour vous, ils ont dit, il y a un show le samedi, la veille de Shavuot. Et ils ont proposé de venir. Il était comme un fou. D'un côté, c'est Shavuot. Et voilà, son copain lui dit, mais tu sais, tu peux marcher à pied. Qu'est-ce qui va se passer? Et votre fois, tu vas prendre des photos, tu vas t'habiller, et tu vas faire un défilé, tu peux respecter dans ta fête. Il vient me voir. Non.
Mais dis Rabbi David, que je vais faire? Je réfléchis, je le regarde. Et je lui dis, Avi, tu as fait la yeshiva. Avi, n'oublie pas que j'étais à ton mariage. Avi, n'oublie pas que tu as une fille et tu as un garçon. J'étais sabbat ton fils et j'étais même ton syndic à toi. Et maintenant, tu viens me demander que le Shabbat, il y a des filets de mode et qu'on t'a proposé 50 000 euros et tu vas défiler. Comment je peux te dire oui? Il dit, je sais, mais je sais pas, j'ai perdu l'Emouna, je sais pas. Alors c'est là que je lui ai dit, lève-toi et embrasse le Mésir de Sefer Torah. Bémet, je l'ai vu se lever. Il va vers la Mésir de Sefer Torah. Il regarde. Il était blanc. Il n'y avait rien. Pas de mouvement. Pas d'excitation. Pas d'émotion. Ouais. Un qui regarde, il me regarde, non, rien n'a été. Je dis, mon fils, tu es beaucoup tombé. C'est très grave. Là, je sais, je ne crois pas, mais c'est ce que je suis en train de voir. Mes amis, bien sûr, la raison pourquoi ce monsieur est tombé, c'est parce qu'il n'a pas fait d'effort. Pour être un juif qui respecte toi et les autres, il faut des efforts, des efforts, des efforts. Il faut savoir se lever le matin pour aller mettre une filine. Il faut savoir beaucoup de choses. Et grâce à Dieu, quand je vous ai donné de tzadikim, tout qui on peut apprendre. Moi, je vous donne la parole d'honneur. Alors, ce matin, j'étais devant le tombeau de David et de Moshe à la Shalom. À quoi je pensais? Je pensais à une seule chose. Ça fait 900 ans que les gens viennent le pèleriner. C'est qu'il devait être un grand tzaddik. Sinon, il aurait déjà été oublié. Et nous aussi, on fait des efforts pour aller le pèleriner. Alors, lorsqu'on vient, après un pèlerinage, avec presque toute une nuit qu'on n'a pas dormi, et toute une journée de voyage, après un grand pèlerinage, qu'est-ce qu'on sent? Ah, on a fait un effort. Alors, Hachem, il te dit, tu as fait un effort, super. Alors, continue, il faut continuer. Vis-à-vis, cette femme qui est venue il y a un mois et demi, et qu'elle a pleuré devant un Sefer Torah, ben, hier, elle est venue me voir, toute souriante. Elle m'a dit, hier, Rabbi David, les médecins ne comprennent rien du tout. Elle m'a apporté des dossiers, des radios qu'elle a fait. Ils ne comprennent rien du tout. Elle n'a plus rien. Alors qu'on lui a donné quelques mois à vivre, elle n'a plus rien. Alors je commence à me poser la question, comment? Elle n'a plus rien. Elle avait, elle n'a plus rien. Et bien justement, l'émouna qu'elle avait, cette émotion qu'elle avait il y a un mois et demi, lorsqu'elle s'est mise devant un Sefer Torah, en train de pleurer, elle a créé en elle-même, vous savez la modèle, l'émouna c'est une création. On crée l'émouna en nous. C'est comme un mouvement. Voilà, je fais un mouvement. Voilà, je bouge mes mains. C'est ça l'émouna. L'émouna, il faut que ça soit constante. Il faut la continuer, la ramer, la continuer. C'est ça. On a reçu la Torah Shavuot. Il faut qu'il y ait une suite. On écoute un cours de Torah. Il faut qu'il y ait une suite. Il faut que cette femme-là, elle a pu répondre quelques secondes, il y a un mois et demi, le baptême, ces larmes-là, c'est les larmes de l'émouna. Mais c'est des larmes de l'Emouna. La taille, c'est que la Torah est déjà ancrée en elle. C'est que cette femme-là, elle a dû faire tout le temps des efforts et des offres des efforts. L'effort, elle aide la personne à réussir là où il met ses mains. Que ce soit dans le business, dans le commerce, dans le judaïsme, dans la Torah, dans n'importe quoi. Et là, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. La parasha de cette semaine, elle s'appelle Be'alotra. C'est quoi le mot Be'alotra? Be'alotra, ça veut dire c'est l'effort. Be'alotra, ça veut dire que bête. Be'alotra, ça veut dire que l'homme doit toujours savoir faire un effort. Vous savez que pour allumer la menorah, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait des madrigos. Il y avait des escaliers pour monter, allumer la menorah.
Et pourquoi on avait besoin des escaliers? Puisque la menorah était très haute, on pouvait construire une menorah aussi. Pourquoi des escaliers? Eh bien, les escaliers, ça veut dire, c'est symbolique qu'il faut, dans le service d'Hachem, il faut toujours progresser d'un escalier à l'autre, monter, des efforts. C'est ça, à l'autre étage. Je voudrais vous poser une petite question. Et c'est une question qui est un peu bizarre. Je l'ai lu cette semaine. D'après vous, quelqu'un qui veut faire un costume, il va chez le tailleur, il lui prend le tissu, ou pas, il lui prend le tissu, et le tailleur lui dit, dis-moi, comment tu veux un costume croisé, tu veux cintré, quelle couleur tu veux, combien de boutons tu veux, voilà. Et après, une fois qu'il s'arrange, le tailleur, il fait le costume, ou pas. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. La Torah, elle est revue, nous parler de la menorah. Ça veut dire, les émaras de la menorah, voilà, avoir une menorah au Bétamikdash, voilà comment elle doit être, la menorah. Et après, la Torah, elle va dire à Aaron, maintenant que tu as fait la menorah, tu vas l'allumer. On ne va pas nous parler allumer la menorah, et après on nous parle comment la menorah a été faite. Attends, tout d'abord, comment la menorah a été faite, miksha, d'un seul bloc, et après la Torah nous parle, maintenant qu'elle est faite, tu peux l'allumer. Or la Torah nous parle au contraire. Elle nous dit à la Torah, l'allumer, et après la faire. Attends, c'est pas possible. Si moi je veux faire un costume, tout d'abord, avant, déjà, il y a déjà la façon, on parle déjà, comment ça s'appelle, on parle de la façon pour jouer. Et après, il y a quelque chose qui ne va pas ici dans la... Combien de fois j'ai envie de faire des choses? Combien de fois vous-même vous avez envie déjà des choses? Avant de faire des choses, vous pensez, et après vous faites, passez à l'action. Dans beaucoup des livres de Kabbalah, on dit il y a Mahshava, le Dibour et le Marasé. Je pense, Hishav Tiderachai, comme il dit dans les Mélères. Je pense aller, je pense faire. Même dans le business, on pense. Pour habiter, je pense déménager. Je ne vais pas venir un jour chez ma femme, hé, je déménage. Attends. Comme ça, déménage. Et vérité, Dieu faut quoi. Attends, on pense. Je pense déménager. Un homme qui veut réussir dans le service d'Hachem, vers l'autre et à l'autre, il faut déjà penser. Penser comment servir un Kadosh Baruch Hu. Voilà, vous voyez maintenant Aaron la Kohen, il allume la menorah. Vous savez, dans le livre Pitohei Hotam, bien commencer à la Shalom, là-bas il explique une chose extraordinaire. Il dit que c'est quoi Vayaskena Aaron? Et Aaron, il a fait ce que Hachem lui a dit. Bien sûr qu'il va faire, il pose la question. Et pourquoi? Aaron, il ne va pas faire. On dit que c'est le compliment de Aaron. C'est quoi le compliment de Aaron? Que Aaron, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais c'est normal qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Pourquoi? Aaron, il va faire le contraire de ce que Hachem lui a dit de faire. C'est pas possible. Et c'est quoi Vayaskena Aaron? Il explique. Il dit comme ça, il dit que Aaron à Kohen, il lui dit, Moshe Rabbeinu, Moshe, il dit, hé, Aaron, mon frère, tu sais, au moment que tu allumes la menorah, aïe, 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 combien tu vas éclairer les mondes, waouh, 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 et tu vas faire, il y a un shéfa, il y a une abondance qui va descendre d'en haut, en bas, waouh, 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 waouh. Lorsque tu allumes la menorah, tu vas créer des brachot, et des brachot, des brachot. Et tout ça, Moshe Rabbeinu, il lui dit à Aaron à Kohen. Mais Aaron à Kohen, il allume la menorah, et il ne voit rien du tout. Mais il allume. L'Emouna. Il a l'Emouna. Moshe, mon frère, il m'a dit que pendant que j'allume, je crée une ambiance spirituelle là-haut,
et cette ambiance spirituelle là-haut et redescend, et bien Jéhir soit à Israël. Alors, il le fait, et c'est ça la Emouna. C'est ça, c'est le compliment de Aaron. Le shvach, le compliment que la Torah est donnée à Aaron. Parce que Aaron, il n'a rien vu. Il le fait. Il a l'Emouna. Et c'est ça la bouteille. Nous aussi, on n'a rien vu. C'est ça notre compliment. On n'a rien vu. Et on a une grande Emouna. Voilà. On ne connaît pas qui c'est la Bédé au Moshé. On ne connaît pas qui est. Et on a l'Emouna. La bouteille, c'est ça, Béa l'autre. Béa l'autre est un héros, ça veut dire la pensée. C'est quoi la pensée? Avant d'arriver au ma'asé, avant d'arriver à l'action, l'action c'est venir prier par exemple. Ben, je me lève le matin pour venir prier. Alors tout d'abord pour que je vienne prier, il faut que je pense. Il faut que je me prépare. Et après je passe à l'action, au ma'asé. Il faut qu'il y ait une préparation. Quelqu'un qui veut se marier. Comme ça il se marie? Non. Déjà, il pense quelle date il va se marier, il prépare son mariage, il discute à gauche et à droite, voilà comment je vais faire mon mariage, et après, il passe à l'action, il se marie. Ça, Rabotai, c'est ce que la Torah nous apprend. Vers Alotra, la Torah nous parle déjà de la pensée. Tu veux t'élever au service de la Kadosh Baruch Hu, vers Alotra, tu veux t'élever dans une mitzvot qui s'appelle Nero, El Moul Pene Amenora, qui est à Kadosh Baruch Hu. Viens te préparer. Prépare-toi psychologiquement. Prépare-toi même physiquement. Et après, tu peux passer à l'action. C'est la raison pourquoi la Torah, elle parle de la Mahshava, Be'a Alutra, et après, la Torah, elle parle de la Asiya, passer à l'action. C'est pour ça que la Torah, elle ne nous parle pas comment construire la menorah, et après, elle nous parle qu'est-ce qu'on doit faire de la menorah. Non! On nous parle déjà pour arriver, viser ma'asé menorah, pour arriver à être un bon serviteur de la Kadosh Baruch Hu, ma'asé, ça veut dire que faire, il faut qu'il y ait le marche là-bas, il faut qu'il y ait une pensée. Et ce soir, j'ai eu de la peine pour ce garçon-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, après tant d'années à l'Yeshiva, il passe au défilé de la mode et le jour de Shabbat. Shabbat de Matan Torah, vous savez qu'il y a Shabbat Shuba, c'est avant Rosh Hashanah, il y a Shabbat Agadol avant Pesach, il y a Shabbat Ahamou après Tisha B'Av, et il y a Shabbat de Shavuot, Shabbat de Matan Torah, c'est le Shabbat qui précède Matan Torah. C'est comme ça qu'il se prépare par la bouteille, malheureusement, il lui manque ce qu'on appelle. Donc tout ce, peut-être, mais peut-être tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ben il n'a pas fait avec Mahshava. Il a fait. Parce qu'il y a un but, il y a une limite. Beaucoup de fois, on dit « mitor shulishma valishma ». On te dit « fais une mitzvah, c'est pas grave, fais-la. » Même si tu ne penses pas la faire, même si tu ne l'as pas fait, fais-la. Un jour, tu vas bien la faire. Attends, il y a une limite. Ah, pas tout le temps. Attends, il y a une femme qui vient chez moi, je lui dirais, David, mon mari, il m'insulte tout le temps. Alors, il m'insulte tout le temps. Tout le temps, il m'insulte. Alors, une fois, je lui dis, bon, c'est pas grave, il y a là, pardonne-lui. À un moment, elle me dit, Rabbi David, mais ça fait 30 ans d'insultes, jusqu'à quand? Ça y est, ça suffit. Basta. Ça y est. Une fois, deux fois, mais 30 ans, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Un jour, il faut savoir. Mais en vous dites, Mitor Shelu Lishma, Balishma, c'est bien, c'est vrai. Mais il faut que Mitor Shelu Lishma, même que tu fais la chose sans le penser, un jour, si Dieu veut, tu arrives. Parce qu'il faut. Mais si pourtant tu n'arrives pas, il y a un problème. C'est parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire un travail physique, un travail de toi. Mes amis, j'aurais, mes amis, vous dire quelque chose que je n'ai jamais voulu dire. Ici au Maroc, je viens une fois par an pour les loulous de la Bahine qui doit avoir shalom. Mais sachez une chose. Si je pouvais habiter au Maroc, je l'aurais fait. Si je pouvais construire une yeshiva au Maroc, je l'aurais fait. Si je pouvais apporter tous les yeshivot que j'ai dans le monde et je les ai fait installer au Maroc, ben je l'aurais fait. Mais pas imaginer, mes amis, la richesse spirituel qui est dans, qui est ici au Maroc. Mais vous ne pouvez pas imaginer.
On conduit et un tzaddik il est là. On conduit et un tzaddik il est là. On conduit et un tzaddik il est là. Et un tzaddik il est là. Et un tzaddik. Mamash, on est entouré de tzaddikim. On est entouré. Qui ne peut que nous aider à progresser dans l'Avodat Hashem. Alors je vous pose une question. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi malheureusement, c'est le lot de tous les tzaddikim qui se font au Maroc? Avec tous les tzaddikim qui sont au Maroc, il y a une faiblesse dans l'Emouna. On a l'Emouna, je ne dis pas qu'on a pas. Mais il y a, machou, il y a. On n'est pas. C'est pas tout le monde qui va venir étudier. Parce que c'est quoi le tzaddik? C'est quoi le tzaddik? Un tzaddik, on apprend de lui. Mais si on est fait, comment il a servi à Kadosh Baruch Hu? C'est ça ce qu'on apprend d'un tzaddik. Comment il a servi à Kadosh Baruch Hu? J'apprends de moi que je suis faible, je pense à eux. Et ça me renforce. Ça me renforce. Vous croyez que parce qu'on a 62 ans, on n'a pas des Sahara? C'est faux. Oh là là, le Sahara, on a un grand Sahara. Il est fort, très très fort. Le bon Hachem. Baratit Sahara. Baratit Torah. Le bon Hachem, il y a la Torah. Quelle est-elle? Et c'est la raison de la bouteille. L'envie, elle est là. Mais arriver à l'action, c'est impossible. Mais l'envie, elle est là. Ici, bébé, ici, j'aurais pu progresser beaucoup dans la Emouna, dans la route de Hachem. Rien, on a l'envie d'aider les tzaddikim. Bébé, c'est inimaginable. Et savoir la sensation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On est un peu froid. Oui, on a les mounas, on va, on va passer le Shabbat. Peut-être ça devient une habitude. Hein? Peut-être l'Aïloula devient une habitude. Et oui, j'ai l'habitude d'aller chaque année à Bédon Mao. J'ai l'habitude d'aller chaque année à Wazan. J'ai l'habitude d'aller chaque année à Télé Tzadik. C'est l'habitude. Mais le Tzadik ne veut pas qu'on va le pèleriner par habitude. Le tzaddik, il veut qu'on apprend de lui. Le tzaddik, il veut qu'on apprend de lui. Bien sûr, il est content de ta présence. Peut-être, il a toujours espoir. C'est vrai, tu es venu par habitude, mais peut-être il y a un espoir. Mais quand même, le tzaddik, ils veulent qu'on apprend de lui. Ils veulent qu'on apprend d'eux. Ils veulent qu'on apprend. Vous savez, hier soir, c'était, il y avait un Akhnasat Sikhatora. Et hier soir, je me suis posé une question. Pourquoi on l'appelle Akhlasat Sefer Torah? Il y avait Daniel Lafayette qui était avec nous hier soir. Je me suis posé une question. Pourquoi on l'appelle Akhlasat Sefer Torah? C'est quoi Akhlasat Sefer Torah? Faire rentrer le Sefer Torah. C'est quoi le mot Akhlasat Sefer Torah? Et c'est quoi cette coutume qu'on laisse quelques lettres qui ne sont pas remplies et en public on va les remplir? C'est quoi ça? C'est quoi? Mes amis, Akhlasat Sefer Torah, ça veut dire que je fais rentrer le Sefer Torah en moi. Vous avez compris? C'est ça le mot. Akhlasat Sefer Torah. Je fais rentrer le Sefer Torah en moi. Je vais rentrer en moi. Et c'est la raison, Rabotai, que le Sefer Torah, c'est pas symbolique. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Tu l'as fait à Sefer Torah. Aujourd'hui, je refuse les gens qui me donnent. J'ai plein, j'ai 7, 8, 9, 10. Et je dirais que j'ai distribué. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. C'est bien, c'est pas une mode. Je suis un homme, c'est bien écrit à Sefer Torah. Mais le but de Sefer Torah, c'est pas écrire un Sefer Torah à la mémoire de mon père, ou à la mémoire de ma mère, ou pour la santé de tel et tel. Ou bien parce que je vais faire un Sefer Torah, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais il faut savoir que le but de Sefer Torah, ce n'est pas écrire un Sefer Torah et faire une seuda et vendre les lettres. Mais le but du Sefer Torah, il ne faut pas que ce devienne une coutume, une habitude. Le but de Hakhnasat Sefer Torah, c'est de dire, Baruch Hashem, Kodesh Baruch Hu, il m'a donné l'opportunité d'écrire un Sefer Torah. Et maintenant, je vais le faire rentrer, pas dans le Echal, mais en moi. En moi, je vais le faire rentrer. Dans mon cœur.
C'est ça, Hakhnasat Sefer Torah. Au moins. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça, Hakhnasat Sefer Torah. Et comment? Alors, ça va aller doucement, progressivement, doucement. Il faut avancer de plus en plus. Faire un effort, et encore un effort, et encore un effort, et encore un effort. Il faut des efforts. Et avec des efforts, on va réussir à devenir nous-mêmes un Sefer Torah vivant. Je voudrais terminer avec ce que je vais vous dire maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion. Certainement vous avez entendu parler de lui. Lui, Alav Hashalom, miskin, les Romains l'ont attrapé en train d'enseigner la Torah. Ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont enroulé avec le Sefer Torah, et ils ont commencé à le brûler avec. Et le pauvre, il avait mal. Mais il n'a pas crié. Il souriait. Il faisait des grands sourires. Alors, ses élèves lui ont dit, « Rabbi, non. Mataroé. » Parce qu'il avait l'air, il regardait à gauche et à droite. Et certainement, il souriait. « Mataroé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Attends, hein. Quelqu'un qui est en train de brûler, il est content et il sourit. « Maman, qu'est-ce que tu vois ?» Il leur dit, « Otiot Orhot. » Je vois des lettres qui s'envolent. C'est quoi ça? Où vous avez entendu des lettres qui s'envolent? Les lettres, ils ont des ailes qui s'envolent. C'est quoi Otiot Orhot? C'est quoi le mot Otiot Orhot? Les lettres qui s'envolent. C'est quoi ils s'envolent? C'est quoi le message de Rabbi Hanina ben Teradion? Des lettres qui s'envolent. Il y a un message ici. Avant de mourir, il a voulu lancer un message. C'est pas Hasuchal ou c'est pas de rigolade ici. Otiot Orhot, des lettres qui s'envolent. C'est quoi des lettres qui s'envolent? Le message, il est le suivant. Un homme, en tant que juif, qui étudie la Torah, qui respecte Torah et Mitzvot, il faut que la Torah, elle reste ancrée en lui. Il ne faut pas qu'il fait des bêtises pour que ces lettres-là, ils vont s'envoler de lui. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il arrive une situation de perdre Hashem Shalom au Tiyot Orhot. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un homme, il doit ancrer la Torah en lui. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, que l'homme, il est bâti avec Ramah Hibarim et Shesagilim, 613 membres Even, qui sont l'équivalent de 613 mitzvot. Ça veut dire quoi? Quand je peux créer un homme avec 613 mitzvot, positives et négatives. Donc ces mitzvot, ils doivent rester ancrés en lui. Il faut, ça, c'est ça, Hakhnasat Sefer Torah. Il faut tout faire pour que ces mitzvot restent collés en toi. Il ne faut pas que ça, tu les perds. Il ne faut pas que tu fasses une bêtise pour que ce soit Otiot Orhot. Vous savez, mes amis, quand est-ce que l'homme, il perd les lettres qui s'envolent de lui, rien qu'à sa mort, avant de mourir, toutes ces lettres-là, toute la Torah qu'il a étudiée, tous les mitzvot qu'il a fait, ils vont sortir de lui pour illuminer le chemin jusqu'à Gan Eden. Ve'alach lefanecha tzedkecha. Mais tant qu'il est vivant, ces lettres de la Torah, ils doivent rester en lui. Il doit tout faire pour les préserver. Attention, ne pas les perdre. Otiot Orhot, des lettres qui s'envolent. La Torah que tu peux perdre en faisant une avera, Hashem Yishmor. Parce qu'on dit mitzvah goret mitzvah, va avera, goret avera. Et je pense que c'est ça le message de Rabbi Hanina ben Teradion. Ce message à lui, c'est bien que les lettres de la Torah qui sont. Parce que l'homme, il est comme un Echal, c'est la Torah, l'homme. C'est bien que à la mort de la personne, ces lettres-là, ces mitzvot qu'il a fait dans sa vie, eux, ils vont sortir de lui pour lui éclairer le chemin jusqu'à Gan Eden. Mais pas dans ton vivant, Hashem Yishmor, Leistar, Teras. Fais attention que dans ton vivant, tu perds les mitzvot, Otiyot, Porhot, c'est grave. Et le contraire, Hakhnasat Sefer Torah, je voudrais terminer avec une belle histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui s'est passée. L'histoire qui s'est passée
à Paris il y a quelque temps. Et pour moi, c'est une très belle histoire, c'est une histoire de Emouna. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Emouna, et je vous ai parlé tout à l'heure que combien on doit à Kadosh Baruch Hu tout le but, les miracles qu'il a fait au peuple juif, il les a fait par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut associer les tzaddikim, que les tzaddikim représentent à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, vous racontez des histoires de tzaddikim, celui qui raconte des histoires de tzaddikim comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. Parce que comment on peut avoir les mots de Hakadosh Baruch Hu à travers les tzaddikim? Donc les gens, ils ont vu les miracles qu'a fait Moshe Rabbeinu. Mais d'autre côté aussi, la Torah. La Torah aussi, qui veut nous enseigner la Torah? C'est pas Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de l'écouter tout le temps. Ah, les tzaddikim. C'est l'exemple pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu pour donner la Torah par son intermédiaire, pour savoir que les tzaddikim, on ressent aussi la Torah. L'Emouna est la Torah des tzaddikim. Écoutez, c'est une belle histoire que je vous raconte. Et c'est l'une des. Pour moi, c'est une très belle histoire de Emouna. Ça s'est passé il y a à peu près la veille de. L'année de Pessah, il y a à peu près 3 ou 4 mois à peu près. Il s'est passé qu'une fois, il y a une femme qui est venue me voir et qu'elle avait un problème parce que son mari, il avait un problème avec la justice, il fallait qu'il paye une somme d'argent. Et si elle ne paye pas cette somme d'argent-là, il aura des graves problèmes. Et le problème, c'est qu'il m'a un autre. Bon, on a ramassé de l'argent pour lui. J'ai tout fait, mais il est resté 5000 euros. Puis écoute-moi, madame, voilà, tout l'argent je t'ai ramassé, maintenant, pour 5000 euros, c'est rien du tout, c'est même pas c'est 5 pour 5000 euros de bagasse. Occupe-toi, moi je peux pas. C'est toi aussi, tu es, va chez ta famille. Et voilà, un lundi, elle vient me voir, elle tape à la porte, et c'était un jour que je ne devais pas recevoir les gens. Elle a insisté, elle a dit, je reste là toute la journée, il faut que je voie la BDE. Bon, je suis sorti. Qu'est-ce que tu veux, madame? Elle me dit, Rabbi David, j'ai besoin de ton aide, parce que j'ai vu que personne ne veut me donner ces amis-là. Il y a que vous. Vous avez donné. Vous savez comment ça m'habite, c'est votre. Je dis, pourquoi madame, pourquoi moi? Ça y est, j'ai tout fait. Elle me dit, Rabbi David, si vous ne nous aidez pas, l'argent que tu nous as donné, on va commencer à le dépenser et après on aura des. Alors, puis j'ai eu peur, j'ai dit, c'est mieux de donner maintenant avant qu'elle mange tout, après, et encore, aoud, encore, et vous, il ramasse encore cette grosse somme d'argent. Finalement, elle est partie, j'ai donné l'ordre au secrétaire de lui donner 5000 euros. Je reste tout seul au bureau et je réfléchis. Et je vois, je lève les yeux vers la Kadosh Baruch Hu. Et je lui dis à Kadosh Baruch Hu, il y a des choses que nous on fait, et il y a des choses que c'est à toi de les faire. Cette femme-là, son mari, elle a fait une bêtise. Et pourquoi moi je dois payer? C'est à toi, elle a fait une bêtise, c'est à toi. Pourquoi tu ne l'aides pas pour lui? Maintenant, j'ai aidé, j'ai fait ça, maintenant, même ces 7000 euros que j'ai donné maintenant, c'était prévu que je les donne à deux autres personnes, maintenant, il me manque. Et Hachem, je te demande de me les rendre. Et je te donne une heure. Je veux, dans une heure, tu me les rends. Mais je ne veux pas perdre la mitzvah. La mitzvah que j'ai fait, je l'ai fait. Ça, je ne veux pas la perdre. Mais je veux que tu me les rends. C'était entre moi et Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on compare Hachem à un papa, on peut lui parler comme ça, comme à un enfant. Il peut se permettre de dire à son père, papa de moi, papa de moi, papa de moi. Pourquoi pas, c'est son père, le fils à papa. Mais si on est loin d'Hachem, on fait ce qu'on veut. On n'a pas le droit de nous. On n'a pas le droit de s'imposer à cause. On s'impose uniquement si on le considère comme un papa. Mais si on ne le considère pas comme un papa, alors t'imposer, tu ne peux pas. Alors apprends à le considérer comme un papa et tu peux t'imposer. Entre temps, tu peux prier, pas plus. Et s'il veut te donner, il te donne. Il peut. Et beaucoup de gens, ils sentent que leur prière ne monte pas chez Hachem. Mais qu'ils réfléchissent un peu pourquoi leur prière ne monte pas chez Hachem. Mais qu'ils réfléchissent.
Pourquoi Tosh Brouillet n'a rien à faire, il ne peut pas écouter de prière? Pas dès qu'il peut écouter. Mais parce que beaucoup de fois, on demande lorsqu'on a besoin. Beaucoup de fois, on s'éloigne d'Hachem, et rien que lorsqu'on a des problèmes, c'est là qu'on approche. Tosh Brouillet, lui aussi, dit, bon, je vais voir si je vais te répondre. Mais alors, c'est Tosh Brouillet. Et son air avait assez de Tosh Brouillet, voir que tout le temps, je suis à côté de lui, je suis proche de lui. Comme Rabbi Himpi dans la Vachalom, comme Rabbi de Lubavitch, comme tous ces tzadikim à la Tania, et ils sont près de Hakadosh Baruch Hu. Quand je parle, il les répond tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas. Avant qu'ils appellent déjà Hakadosh Baruch Hu. Alors moi, je voulais tenter, je dis à Hakadosh Baruch Hu, moi je t'adore, je t'aime, j'ai une grande émouna en toi, j'ai oublié que tu me la rends. L'histoire est stabile, j'ai oublié. Voilà, William Marciano, une heure plus tard, il me dit avec David, il y a un monsieur qui veut te voir. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, je ne peux pas. Il insiste. Je lui dis, écoute, je t'en prie. Il dit, je suis fatigué. Et voilà, je vois le monsieur qui rentre. Il rentre. Il me dit, je vais excuser avec David, je vous ai langui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et je voulais un peu discuter avec vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais quand même, grâce à vous, d'abord Hachem, vous êtes mon rave. Il enlève sa veste pour s'asseoir. Je dis, oh, celui-là, tu es là, pigus, il lui manque que je lui apporte un verre de thé. Bon. Mirabi David, voilà, je vais être très bref. Mon patron, la semaine dernière, il a fait une belle affaire. Il a gagné de l'argent. Il m'a donné le maraser, il m'a dit, voilà ce maraser-là, tu le partages. Voilà, je te fais confiance, tu le partages. Alors, j'ai commencé à calculer. Il y a une heure, j'ai dit ce que j'ai dit. Donc, 100% que je m'a écouté. Et celui-là, il va me donner 5000 euros. Je prends un papier et j'écris 5000 euros. Et je lui dis, Gilles, ce que tu vas me demander, ce que tu vas me donner, il est là. Je lui dirai, mes amis, je pense que vous trompez. Je dis, non, je ne me trompe pas, j'ai fait un deal. J'ai fait un accord avec Hachem ce matin, il y a une heure. Donc, 100%, ce que je lui ai demandé, il va me le rendre à travers toi. Dis-moi, Gilles, je lui demande, est-ce que est-ce que tu avais l'intention de venir me voir à une heure? Je lui dis non. Et quand tu as eu l'intention de venir me voir, je lui dis il y a une demi-heure. Ah, c'est que c'est Hachem qui t'a mis dans la tête. Alors je sais ce que tu vas me donner, et je l'ai noté là. Alors il dit bon. Il dit je préfère ne pas voir. Je lui dis bon, c'est pas la peine. Il met ses mains dans sa poche. Il me dit voilà, c'est 1000 euros. Ah, prends le papier. Il prend le papier. Quoi ? 5000. Non, vous êtes trompé. Parce que je voulais vous donner encore, il me redonne 5000. Alors là, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Dommage que j'ai donné 5000. J'aurais dû donner 10 000, comme ça j'aurais reçu 20 000. Ça veut dire, Rabotai, vous voyez, on a l'émouna, une conviction. L'émouna, mais une émouna, pas une émouna d'habitude. D'habitude. Awaïdi. Il n'y a pas d'awaïdi. Pas d'habitude. Une émouna chez les ma. On dit chaque matin, Ali, ma, amin, Ali. J'ai l'émouna. L'émouna, ça veut dire Ani, ma, amin. Ça veut dire une conviction. Une émouna, comme ça. Pour arriver, c'est belle émouna à Kadosh Baruch Hu, il faut beaucoup de marchava, Be'alotra. S'il n'y a pas Be'alotra, s'il n'y a pas une progression, une préparation, tout le temps. Et après, on passe à l'acte, au ma'asé. On ne peut pas passer au ma'asé. Si la Torah, elle nous aurait parlé de faire la menorah miksha, ça veut dire, Hachem, il veut qu'on passe directement à l'action, faire la mitzvah. Mais impossible. Pour passer à la mitzvah, il faut réfléchir, il faut la préparer, il faut se préparer. D'ailleurs, même Hachamim, ils disent
que les Hasidim Rishonim, les premiers Hasidim, ils se préparaient une heure avant la prière. Une heure avant la prière, ils se préparaient. Une heure. Et une heure qu'ils vont prier. Et une heure après, ils vont encore ils vont réfléchir si ils ont bien prié ou pas. C'est facile de faire ma'aseh. Mes amis, ce tailleur-là qui vous fait le costume, il fabrique le costume, il réfléchit comment il va le faire. Il réfléchit comment, où il va mettre les boutons et, comment, et combien de poches il va mettre. Et après, il passe à l'action. Et c'est ça la beauté. Si on veut réussir, quand on réfléchit dans le business, une fois j'ai vu quelqu'un, je termine, je vais quelque chose. Une fois, il y a le 6 mai, à Paris, c'était les élections en France. Et j'ai vu quelqu'un qui était le lendemain, il avait l'air fatigué, il avait une tête qui n'a pas dormi toute la nuit. Et je lui dis, El Saoud, t'as pas dormi hier soir, mais avec David, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai suivi les élections jusqu'à 3 heures du matin. Je lui dis, mais Saoud, hier à 6 heures, déjà, on savait qui a gagné. Alors, ça y est, tu sais qui a gagné. Alors, de 6 heures jusqu'à 3 heures du matin, 9 heures, dormant, 9 heures, en train de voir la télévision, Rabbi David, mais c'est des commentaires, celui-là, il dit ça, celui-là, il dit ça, celui-là, il dit ça, je dis, mais tu t'en fous, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Le plus important, c'est que. Il y a un président, il y a François Hollande, il a gagné, ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de savoir qui est? Il dit, tu sais mon fils, après 120 ans, il va se passer quelque chose. À Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, c'est pas maintenant, je te trouve jusqu'à 120 ans. Il va te poser une question. Hé, monsieur Hollande, le 6 mai 2012, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu vas lui dire, ben, j'ai suivi les élections. De quelle heure à quelle heure? Tu vas lui dire de 6h à 3h du matin. Ben, tu vas lui dire, mais attends, pourquoi tu l'as fait? Mais tu savais déjà que François Hollande a gagné. Pourquoi rester 9h pour écouter? Ben, qu'est-ce que tu vas lui répondre? La même chose que tu m'as donnée. Tu vas lui dire, parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a dit celui-là, et les commentaires, et qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il a dit celui-là. Alors, que je vais te dire, pour des choses qui ne t'en rapportent rien du tout, tu as écouté, qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il a dit. Et la Torah, la Gemara, qu'est-ce qu'il a dit à Belhazar, qu'est-ce qu'il a dit à Rabba, qu'est-ce qu'il a dit à Baye, qu'est-ce qu'il a dit à Bishimon, qu'est-ce qu'il a dit à Biosef. Et après, il y a une conclusion. Ça, tu jamais t'as voulu savoir qu'est-ce qu'ils ont dit pour des choses que tu ne gagnes rien du tout. Tu étais curieux de savoir. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Et qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Et pour savoir comment on met Tfilin, tu t'es jamais renseigné. Comment on met Tfilin? Comment on se lave les mains? Et comment on fait ça? Et comment on fait ça? On va te dire, ben celui-là, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça. Alors après, il y a une halakha, mais nous, on fait comme ça. Et ça, jamais tu t'es intéressé. La bataille, le drame, il est la cabeza, la tête. On ne réfléchit pas. Il n'y a pas cette béar à l'autre. Réflexion. Réfléchir. On croit qu'on connaît tout. Ah, parce que je vais prier une tzadikim, je crois que je connais tout. C'est pas ça. Au contraire. Mais tant que tu prier une tzadikim et tu as une grande émouna, il faut apprendre d'eux. Il faut apprendre un peu d'eux. Apprendre un peu ce qu'ils étaient. À Bataille, je voudrais simplement dire. Combien Rabbi Delman, Shalita, combien le voir ici, entre vous et moi, qu'est-ce qui fait au Maroc, et le Pélé, en Amérique, en France, mais il a réfléchi. Il a une chtéroute, il a un message, il a un travail à faire. Il se sacrifie pour ceux qui sont là, il réfléchit. Réflexion. Sinon, je crois que c'est facile, tout seul, entouré, et il faut qu'il. C'est pas facile. Mais à la bouteille, réflexion, en réfléchissant.
Lorsqu'on réfléchit, on arrive à l'action. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de Rav Edelman? Sa réflexion, réfléchir pour rester au Maroc et apporter la Torah à la communauté. Et ben voilà, on voit le Maasé, on voit le travail qu'il fait. Baruch Hashem, beaucoup de gens qui étudient la Torah, il y a un collègue, il y a un Beit HaMidrash. Voilà. S'il n'y avait pas la réflexion, il n'y aurait pas eu le Maasé. On dit, sauf Maasé, le Mahshavat et Hila. D'accord? Sauf Maasé. Pour qu'il y ait un Maasé, vise Maasé Menorah, vise Miksha. C'est quoi Miksha? Lorsque tu fais mitzvah, il faut la faire Miksha. Bim sirot nefesh, avec tout ton corps. Miksha, c'est pas que tes mains qui la font, c'est pas que ta bouche qui la fait. C'est ta tête, c'est ta bouche, tes mains, c'est tes pieds, c'est ton corps, c'est ta tête, c'est tes poumons, c'est tes veines, c'est tes membres, tout. Comme ça tu l'as fait. Zé maasé menorah. Sauf maasé. Be mahshava tehila. Lorsque il y a le mahshava, be alutra. Et tu réfléchis, encore une fois, et encore un peu, et encore un peu, et encore. Tu crées l'idée dans ta tête. Après, tu l'introduis, dibour, voilà comment je vais faire. Après, tu passes à l'action. S'il n'y a pas le dibour et le marchava avant le marasé va se faire mourir. On ne pourra jamais faire une bonne mitzvah sans qu'on l'a bien préparée. Alors, mes amis, Bishrut Rabbeim Pinto, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, bracha, betzlacha, balasatova, kenelatson, une longue vie, kenelatson, et que Hachem, Ipatem et Alechem, que vous avez autre chose de la haute, que vous avez Alechem, que vous avez. Voilà, simplement, je ne vous oblige pas. Demain matin, Hachem, je serai au cimetière de Pélé Rabbeim Pinto, mon grand-père. Celui qui veut venir, qu'on fait là-bas un petit minyan pour prier ensemble. Demain matin à 9h, c'est bien. Demain matin à 9h, après la prière de Hachem, au cimetière ici à Babarakesh, comme ça, que son écoute soit avec vous. Encore une fois, la Rav Edelman, Hachem vous donne à l'écoute jamais Michel.